Et voilà. Petit barbeau de 2 kg. Qui va retourner à l'eau tout de suite. On va le remettre dans l'épuisette, peut-être, mon Seb. Ça va être plus simple. Amis pêcheurs, chers abonnés, bonjour. Voilà, je vous retrouve donc pour cette nouvelle année avec ce premier petit barbeau de 2 kg. Bon, c'est pas énorme. À l'asticot. Pour le moment, on n'obtient rien à la bouillette. On vient de démarrer. En même temps, il y a une bonne heure qu'on pêche. C'est pas non plus. Voilà, je suis très content que ça soit le premier poisson de l'année sur un barbeau. C'est vraiment très bien, quoi. Si j'en fais un de plus de 5000 aujourd'hui, je lui fais un gros câlin avant de le remettre à l'eau. Hein. Bon, c'est pas encore gagné. Il n'y a pas trop de courant, c'est praticable apparemment. Pour le moment, en tout cas, pas trop de débris non plus. On avait prévu un plan B au cas où, et finalement, la somme semble assez bien praticable aujourd'hui. Tant mieux. Allez, on se retrouve un peu plus tard avec d'autres prises, j'espère. Hop. Et voilà. Le premier à la bouillette. Oh, il est plus beau. Super. Ouais. Oh, il est plus beau. Hein. Oh putain. Un beau poisson. Ouais. Voilà. À la bouillette, moule crabe, valeur sûre, éprouvé l'année dernière, voilà, sur un bas de ligne en 22 centièmes avec un petit cheveu, terminé, bouillette de 14 mm, il en faut pas plus. On va le peser, le pépère. ,7 kg, bon, c'est pas énorme encore. Voilà, attention. Bon. Voilà, 2,7 kg, bon, on peut faire mieux. Mais c'est quand même le deuxième de la journée. Et c'est la première pêche de l'année. Donc on va... Oh, pas non plus être trop exigeant. Voilà, on le remet à l'eau. Allez, repart. Voilà. Magnifique poisson. Magnifique. Bon, et ben l'année démarre bien. Si j'étais pas aussi fainéant, je ferais quelques cabrioles là, pour fêter ça. Super. Et voilà, en voilà encore un autre, toujours avec les bouillettes. On rapproche un peu. Voilà, toujours avec les bouillettes, moule crabe. Bon, c'est pas un gros celui-ci. Donc il était pas fort piqué en plus. Voilà, petit poisson. On va le poser quand même. Voilà, 1,4 kg pour ce petit spécimen, mais c'est quand même le troisième, c'est bien. Alors ce qu'on remarque, c'est que j'ai aussi une canne avec les mêmes bouillettes, hein, là derrière moi. Allez, vas-y. Voilà, il est reparti. Voilà, donc j'ai aussi une canne qui est juste derrière avec les mêmes bouillettes. Et celle-là ne part pas, quoi. Donc pourtant, je pêche un peu plus au bord. Et généralement, c'est plutôt au bord que je les prends ici. Là, ils ont l'air de se trouver plutôt dans le milieu. Et ce qui semblerait, ben, c'est que c'est la cage qui fait la différence, quoi. Voilà, feeder, cage bien lourde, une centaine de grammes, bien chargée.
Et les quatre poissons de jusqu'à maintenant, donc trois barbeaux et une brème, je les ai tous faits à la cage, quoi. Bon, ça semble faire la différence. Allez, c'est reparti. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. C'est très difficile. Il pleut. Il pleut depuis ce matin, en fait, de manière incessante. Bon, ça nous fera une première petite pêche rapide. 6 ou 7 heures de pêche, c'est bien. Bilan, 3 barbeaux. 2 kg, 2,7 kg, 1,4 kg, une brème, petite brème de 300 grammes, et puis un gardon, un beau gardon de 200 grammes environ. C'est pas mal, exclusivement sur le mix à la cage, hein, donc à la fois à l'asticot et à la bouillette. Bon voilà, c'est bien, ça me paraît sympa de reconnecter un peu avec vous, sur une belle petite pêche d'entrée comme ça, dans des conditions certes pas faciles, mais pas sur un capot non plus, c'est bien. Je vous retrouve donc très bientôt, j'espère, hein, avec pas mal de choses à vous montrer, lorsque les conditions seront un peu plus favorables pour élaborer des vidéos plus approfondies, quoi. J'ai vraiment des choses à vous montrer, mais bon, pour ça, il faudra que ça soit un peu plus... sous une météo un peu plus clémente. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.